On a parlé tout à l'heure de sites dynamiques, d'accès à des sites Frogans distants et à la création, la génération dynamique de sites Frogans. J'aimerais vous montrer un exemple qui a été développé aujourd'hui même par un des membres de l'écosystème. Il s'agit d'un tiers-lieu, c'est-à-dire en fait un espace de travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Au Village. Alors, je crois qu'il nous regarde en ce moment, donc je salue Florent, Jean-Marc. Je vous remercie de nous avoir envoyé un exemple de votre site. Et je vais vous le montrer à l'écran, il est assez amusant. Est-ce qu'on peut avoir le... Alors voilà, donc vous reconnaissez ici, donc on est sur la même machine que tout à l'heure, vous reconnaissez Frogans Player, donc la machine lente, hein, évidemment. Voilà. C'est un site qui est donc hébergé sur le serveur de nos amis au village à Abidjan, et qui fait appel, qui est écrit en PHP, et qui fait appel à l'API Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, l'API Twitter est disponible donc gratuitement pour tous les gens qui veulent extraire de l'information de Twitter. Ici, nos amis de Village ont créé un site qui s'appelle Test Étoile Twitter et qui va interroger les fils d'info Twitter. En l'occurrence ici, alors on va pas voir très très bien. On voit pas du tout en fait. Ok. Il s'agit simplement du dernier tweet à propos du mot-clé hashtag Frogans. Qu'on voit, voilà, on y voit un peu mieux, d'accord. Et donc vous voyez par exemple typiquement le logo, tout ça, ça c'est parce qu'on le tire directement de chez Twitter, et on voit apparaître le dernier tweet. Et ce site s'auto-régénère, évidemment, et donc on va voir à un moment ou à un autre, peut-être qu'on a déjà vu, changer le site. Alors ça c'est, évidemment c'est un site assez basique, mais c'est un exemple assez parlant d'un site Frogans, généré dynamiquement et hébergé sur un serveur distant avec la version de Frogans Player for Developers que nous avons dévoilée aujourd'hui. Donc merci encore à Florent Yuzan, Jean-Marc Baouman et aux autres de chez Au Village pour cette réalisation. Peut-être d'ailleurs, ils avaient créé un site, un autre site Frogans au moment de l'Africa Web Festival en décembre à Abidjan qui s'appelle Test Étoile Au Village. Allez voir, c'est assez amusant. Leur site web aussi est assez marrant. Donc ça, c'est eux qui l'ont fait. Et je crois qu'il y a quelque part, il y a une image avec la photo de l'équipe, peut-être dans le... Voilà, le fondateur. Voilà, donc, bon, en l'occurrence, Cyriac et Bogbou et Florent ont participé aujourd'hui à la réalisation de ce site. Donc merci à eux. Voilà, je rends la parole. À la parole à Jean-Emmanuel. Et à Thomas Panot pour une petite démonstration d'enregistrement d'adresse Frogans.